j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme tous les samedis l'équipe. Bon, en vrai, je dis tous les samedis, mais les gars, vous voyez que des fois c'est dimanche, c'est lundi, on s'en fout. Du moment que je mets la vidéo, ça passe. Aujourd'hui, les gars, vous l'aurez compris dans le titre, on va réagir au Gear 5 de Luffy, le Gear 5. C'est aujourd'hui, et on n'est pas tout seul, on est avec le frère Zoro, Xavier, qui est là, l'équipe. Ça fait un an qu'on l'attend. Putain, ça fait combien de temps, Ravière, qu'on l'attend? On m'attend moi. On m'attend moi. C'est moi qu'on attendait depuis un an. C'est moi. Allez. C'est allez. Moi. Non mais ça fait combien de temps qu'on attend le Gear 5? En vrai, je pense la première fois qu'on a acheté le top 100, non? Ouais. C'est top 100, ouais. Voilà, plus même. Du coup, en vrai, ça fait quasiment un an, même plus carrément, vu que le Gear 4, on commençait déjà à avoir un petit peu... Gear 5, etc. Et aujourd'hui, c'est le moment du Gear 5. Donc, j'ai fait une petite déco muy caliente en mode que du Luffy. Il a fait une déco ma. Ah là, franchement, si t'aimes Luffy, t'en demandes, hein. T'es moi. Pop, statuette Luffy, Pop Luffy, on a le Gear Segunt, le Red Hawk, le Gear Snake, Snake Man, la petite figurine Luffy, qui est là, le Tom 100 Collector, l'équipe. On a fait avec Yanis d'ailleurs, gros dédicace, salut mon frérot. On a fait une queue de fou. Le Gear 103, le tome 103 collector. On a les 6 tomes ici d'affilée, le 99, 100 et 101 qui sont raccordés. Le 102 qui est là. Et petite promotion au tome 40, c'est l'apparition du Gear Segunt. C'est mon Gear préféré de Luffy, ma transformation préférée. C'est celle que je kiffe. Ensuite, on a ici le petit tableau de Luffy que vous voyez tout le temps dans les vidéos qui est derrière. Mon chapeau les gars, mon chapeau Luffy que je mets tout le temps ou que je vais quelque part dans un gros truc, c'est lui que je mets. L'équipe, qu'est-ce qui serait Luffy sans son chapeau? Dites-le moi, j'en sais rien. Voilà une grosse zoulette sans son chapeau l'équipe. Là, on a mis le chapeau pour le... Franchement, sans chapeau, sans claquette, c'est pas Luffy. Voilà, sans chapeau, sans claquette, c'est pas Luffy. Il les a depuis la saison 1. Et ouais. Ça y est. Donc là, petit chapeau que je vais mettre. Les gars, I am Luffy ou pas I am Luffy? Là, je sais pas. Là, les gars, il faut que ça soit Luffy. Et bien sûr, il y a d'autres choses. On a ici un petit poster de Luffy Gear 5 que j'ai eu il y a un an. Oh, on a ici. La ouais, qu'on a fait une convention. On a fait une bête de convention. Ça, c'était une dinguerie. La bête de convention, c'était avec. On était avec Luna, Tina, Nami, Robin, donc c'était avec eux, et Ravier aussi. J'étais déguisé en Zoro. Ah ouais, non, c'était une dinguerie. C'était incroyable. Ensuite, ici, on a le petit poster qu'on a eu avec le tome. Ça, c'était avec Gauthier, je me rappelle, c'était à une soirée, la soirée One Piece. On a eu ce petit poster avec tous les Mugiwara. Et là, on a un petit poster de Luffy qui est incroyable, je kiffe sa mère, qu'on m'a donné, merci beaucoup. Voilà, il est incroyable. Les frangins. Oh putain, j'ai oublié un truc! Il y a 2 ans, les frérots Ravier, ils m'avaient offert à mon anniv une petite lampe Luffy. Oh ouais, et donc, date. Ouais, ça date, hein. Oh, ça date quand même. C'était quoi, un Noël, un truc? C'était à mon anniv. C'était à mon anniv. Ouais, il y a 2 ans, carrément. Oh. Petite lampe Luffy qui est là, on va l'allumer d'ailleurs. Vous allez voir la couleur que je vais mettre. Voilà, les frérots, on a. Regardez comment cette petite LED Luffy, elle est incroyable. Là. Bon, on enlève les cadres, on va juste laisser peut-être. Le tome 100 collector qui est une dinguerie, on va le mettre là. Et parce qu'on enlève un peu les petits trucs, parce que les frérots, on va mettre les petits sushis. Les sushis. Qui dit One Piece, pour moi, dit sushi. Donc je peux pas regarder un épisode gros comme ça sans des sushis. Il fallait acheter des sushis, les gars, pour se mettre bien. Et la lampe, pour moi, la couleur où je regarde les animés et que je kiffe, c'est là. C'est rouge. Non, pas du tout, c'est violet. Putain, ça marche pas. Faut changer la pile. Voilà, changer comme ça. Voilà, les frérots, moi je regarde un animé. Les frérots, pour moi, le combo ultime pour regarder One Piece, en tout cas, c'est sushi et LED violet. Je sais pas vous, c'est quoi votre combo? Dites-moi c'est quoi, mais moi en tout cas, c'est LED violet. LED violet, pourquoi? Parce que, pas LED rouge, parce que LED rouge, tu connais les LED rouges, c'est quoi? Et bref, pour moi, le combo c'est LED violet, One Piece, c'est parfait. Ah, et bien sûr, on a mis le petit t-shirt One Piece, Mugiwara. Sinon les frères, ça ne résume à rien là, faut mettre un petit t-shirt japonais, je sais pas quoi. Ravier aussi, il a mis un t-shirt japonais, regardez. Voilà, il est incroyable. Il est trop beau, bah je l'ai payé cher, j'ai vendu ma mère pour ça. Mais ah, il est incroyable. Petit dragon comme ça, magnifique. En fait l'équipe, j'ai tellement de choses de Luffy que j'ai oublié beaucoup de choses dans le setup, le décor. Du coup là, je vais les reprendre. On a alors le petit dessin que Titi m'a fait, Robin, il est incroyable ce dessin. Trop forte. Je pense que je le mettrai...
à côté. Ou alors, non, je vais le mettre là, les gars. Oh, je vais le mettre ici. Au moins, je vois le Luffy. Oh là là, je le mets ici. Et aussi, il y a ça. Guettez-moi ce plateau de roi. Riz, sushi. Oh là là. Petite sauce, LED. Et l'épisode qui va être là. Oh. Non, mais là, ça va être incroyable. Les frérots, là on a regardé l'épisode 1070 et maintenant 1071, c'est maintenant, comme ça on est dans le bain, c'est parti, c'est tout de suite, ça va être, c'est maintenant que ça commence. Non, sinon on ne verra pas. Luffy no saiko uchite. Ouais. Les bêtes vont dire pareil. Putain. Les gars, il va crier très fort. Mange le rythme de la musique. Wesh! Oh! Oh mais frère, j'ai ajouté à me retenir là! Oh les frissons! Non! Il n'y a que des éclairs de... Oh putain, il s'est pas filmé! Il n'y a que des éclairs d'Aki des rois. Oh putain! Oh, il est mort, mais c'est pas lui en fait! Si, c'est lui! Non, mais il est possédé! C'est lui! C'est lui, mais il est en mode possédé par le Joy Boy! Wouah! Il a les éclairs! Je tape sa meilleure barre, le frère. Ouais. Non, mais quand on chante, en fait, il va développer le Gear 5.
ça y est, c'est en cartoon. Wesh. Le sol, c'est de la gomme. C'est comme de flamingo en fait avec les filles. En fait, donc, à chaque fois que tu as les filles, ça impacte sur le roulement. Ouais, c'est incroyable. Waouh. Là, je le vois plus encore, je sens déjà les tours. Moi aussi. Putain, c'est là. Ah, il a acheté des kaigos. Parce qu'on a vu les scans en fait. Genre, on a acheté les bandes. Non, on a toujours oublié les scans. Mais là, le bandes animé, c'est ouf. Même s'il y en a qui nous disent ouais, mais du coup tu fais spoil, bah non, parce que du coup tu revois tout et t'oublies un peu. Et c'est toujours différent. Et c'est... Oh là là, il va le choper par le. Il va le choper par le callback. Oh, j'allais le dire la même. Il sait pas, Kaido il a peur. Putain, mais Kaido a peur. C'est ça le truc de fou, Kaido a peur. J'aimerais avec Oden. Regarde sa tête. Oh, ses yeux, il a peur, Kaido. Alors que c'est l'homme le plus puissant du monde. Il le chope comme une merde, hein. Oh, le point de Luffy est énorme. Il dit wesh, t'as vu les yeux. On va très bien avec les bruits. Le test, je vois. On va faire la corde à sauter avec. J'espère que c'est là. Ah ouais, en fait, il fait ce qu'il veut. Mais c'est trop drôle en vrai, hein. C'est pas un combat comme les autres. Mais la merde, la semaine prochaine, ça va marcher chez toi. Je vais voir tout le combat chez toi. Après. Ah, frère. Ah, frère. Ah. Ah. Ouais. Ah, il le prend comme un lasso. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça, tu me dis pas mal. Wow. Oh, la musique derrière. Des mailles de fou comme une merde. Oh. Wow. Et lui, ça te dit pas. Et lui, c'est, son, c'est sa partie de plaisir. Ah, mais il semble belle. En vrai, Odé, il a bien fait de faire comme ça. Ça change un peu des combats. Mais des mailles, il se tape une barre, ce chien. Oh, ça, t'as pas en capture d'écran, moi. Wesh! C'est quoi le bordel? Putain, j'avais oublié ça! Retour là, moi. Il a attrapé le mur, il l'a soulevé, frère! Ça, j'en ai soulevé ça. Ah ouais! Là, il va aller, il va aller. Oh, oh, c'est le moment! T'es vrai, c'est un pas ce chien! J'ai... Gears. Attends, il va tirer, il va tirer. Putain, il y a tous les gears. Oh là là. Wesh. Wow. Le bâtard qui avait le... Quoi, en fait, le film, c'est drôle.
ouais, là il est en mode enfant en fait. Bon, les frérots, voilà, on est le lendemain après le Gear 5 où on a regardé l'épisode. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé, parce que du coup ça s'est arrêté juste après l'épisode. Donc maintenant je suis à tête reposée et qu'est-ce que j'en ai pensé, les gars? C'est simple, personnellement j'ai kiffé l'épisode. Les combats, ok c'est pas les mêmes, Luffy il est pas en mode acharné comme avec Katagori et Doflamingo. Un petit peu dommage, j'espère que ce sera pas tout le temps ça avec les autres combats. Par exemple, je pense à un autre, si vous les avez pas lu les scans, je vous dis pas, mais je pense à l'autre combat plus tard. J'espère que ce sera pas tout le temps en mode rigolade, parce que ça va nous gaver. Honnêtement, tout le temps de la rigolade, ça va nous gaver. Mais là, avec Kaido, juste pour nous montrer la forme, franchement, personnellement, j'ai trouvé ça incroyable, parce que Luffy rigole, il prend du plaisir, on voit que c'est Luffy et Joy Boy en même temps, et ça change des combats habituels. Même en parlant du design complètement différent, en mode cartoon, personnellement moi je kiffe. Ravière aussi, ça l'a fait rigoler et je pense qu'il est dans le même avis que moi, mais à un moment ça va tout le temps être redondant, cet effet de cartoon. Donc peut-être qu'il faudrait un peu plus avoir de la hargne pour les combats. Mais en tout cas, le Gear 5 c'était incroyable, ça faisait plus de un an et quelques qu'on attendait ça. Personnellement moi ça faisait plus d'un an et quelques. Pour les autres je pense encore plus. Donc j'ai kiffé, le Gear 5 c'est incroyable. Luffy, là il est à son apogée comme il l'a dit. Et puis voilà, j'ai rien à dire sur ça. Donc les frérots, j'espère que vous avez kiffé notre petite réaction en direct, en vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et mettre un commentaire. Et dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode du Gear 5. Ça m'intéresserait de voir c'est quoi vos avis à vous. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo samedi prochain ou lundi ou dimanche, vous savez comment ça se passe maintenant au final. Prenez soin de vous et de votre famille, c'était Benji Mefa, à plus tard l'équipe.